regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à actionner la clochette pour ne pas rater mes publications. Merci. Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Je voudrais vous dire merci car vous êtes nombreux à suivre mon émission Les Brèves de Anne de Luce. Je vous encourage à toujours me suivre car vous me donnez du courage pour continuer. C'est ensemble que nous allons libérer notre Côte d'Ivoire. Merci à vous tous car c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Aujourd'hui, pour mon émission numéro 19, je vous demande tous d'acheter ce livre. C'est le projet de société du Rivas. Achetez le livre car il est très important que vous sachiez ce que le Rivas propose à la Côte d'Ivoire. Le Rivas est le parti du retour aux valeurs sources. Comme vous savez, aujourd'hui nous sommes dans la catastrophe dans notre pays car les autres partis n'ont pas assuré. Donc il faut absolument trouver la solution pour sortir de ce bourbier dans lequel nous nous trouvons. C'est pourquoi je vous demande tous d'adhérer au Rivas. Au parti du retour aux valeurs sources. Je voudrais aussi lancer la collecte de fonds, comme je vous avais expliqué précédemment. Nous laissons toujours l'extérieur financer nos partis politiques. Du coup, arrivés au pouvoir, ils promettent des choses qu'ils n'arrivent pas à tenir parce qu'ils doivent rendre des comptes à ceux qui ont financé. Aujourd'hui, je demande à ce que ce soit nous-mêmes, le peuple, qui finançons nos hommes politiques, pour qu'arrivés au pouvoir, ils puissent respecter les engagements qu'ils ont pris. Alors, pour cela, il faut déjà acheter le livre pour savoir ce que nous vous proposons. Car le financement du Rivas s'est lancé. Je mettrai sur Internet le numéro de compte PayPal pour ceux-là qui veulent commencer à nous soutenir. On ne peut pas rester là à être des titrologues, à rester là à être des suiveurs, alors que nous n'avons même plus de pays. Bientôt, nous serons des apatrides. Car ceux-là qui sont dans notre pays, là, ils n'ont pas l'intention de jouer avec nous. Ils prennent tout ce que nous avons, ils n'ont rien à foutre. Nous mangeons, ce n'est pas leur problème. Tout ce qu'ils savent faire, c'est nous foutre en prison, tuer nos enfants. Alors, on ne va pas continuer à être un peuple. On a été gaou, tout le monde peut être gaou. Mais Nyata, il faut absolument éviter de l'être. Pour cela, je vous conseille d'acheter ce livre pour la diaspora. C'est 15 euros, frais d'expédition y compris. Et en Côte d'Ivoire, le livre coûte 3 500 francs. Donc, vous achetez le livre, vous allez lire le contenu parce que c'est très important. Il ne faut pas lire que le titre, comme on a l'habitude en Côte d'Ivoire, d'être des titres blogs et de faire des commentaires. Il faut absolument lire le contenu. Car aujourd'hui, c'est le seul parti là qui propose quelque chose à la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens que nous sommes. Voilà. Donc, l'appel que je voulais vous lancer aujourd'hui pour qu'ensemble, nous trouvions une solution à notre problème. C'était l'Amazon de Kensi pour les brèves de Anne de Luce. Paix et joie à la Côte d'Ivoire et à bientôt.